Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la ville, des conférences sont organisées à la médiathèque Georges Brassens. Vendredi 21 à 20h, Philippe Villemout, président de l'Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle en 1939-45, venait raconter l'évacuation de Mézières le 4 septembre 1944. En fait, il y a très peu de traces écrites, ou quasiment pas de traces écrites sur cet événement, qui a pourtant marqué tous les esprits de la population civile, que ce soit depuis Rambin jusqu'à Novéan, et donc évidemment à Mézières, parce que tous les gens qui habitaient ces villages en 1944 ont été concernés et ont dû prendre des décisions dans la panique générale, alors qu'ils attendaient les Américains. Diapositive à l'appui, ce passionné d'histoire locale a exposé, devant un auditoire attentif, cette évacuation, moment douloureux pour les habitants de Mézières et plus largement de Rombas à Novéan. En parallèle, il vous est possible jusqu'au 6 décembre de venir découvrir une exposition sur les événements qui se sont déroulés de septembre à novembre 1944 à Mézières et en Moselle. Planches explicatives, photographies, objets militaires de l'époque donnent corps à cette exposition. N'hésitez pas à venir la visiter, l'entrée est libre.